Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et heureuse de vous retrouver, bien évidemment. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pour vous partager et vous présenter donc les lots du concours que j'avais lancé donc il y a une semaine, voire une semaine et demie à peu près, oui. Dimanche, ça fera 2 semaines, oui, pour le coup, c'est ça. Et je voulais déjà, et je tenais vraiment à vous remercier parce que vous êtes pas mal à vous être inscrite et inscrit à mon concours. Je suis juste trop contente, franchement. Et donc voilà, et je tenais à vous dire, voilà, j'ai préparé 3 lots, voilà, pour mon concours, j'ai préparé 3 lots. Mais je me suis dit, entre-temps, s'il y a des personnes qui veulent s'inscrire, alors je prends, il n'y a pas de souci, je prends. Puisque la date est jusqu'au 15 décembre, donc je me suis dit, il y a encore du temps, donc vous pouvez, quoi qu'il arrive, vous inscrire. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont envoyé des mails pour me dire, est-ce que c'est encore dans le... Oui, il n'y a pas de souci. J'ai dit que c'était jusqu'au 15, voilà. Au 15 décembre, là je clôture pour justement faire mon tirage au sort. Donc là vous avez encore du temps, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, au contraire, plus on est nombreux et nombreuses, voilà, de voir des créas, voilà, et puis c'est top quoi, c'est voilà. Je l'ai vécu l'année dernière et c'était que du bonheur, et là j'ai vraiment, voilà, et puis surtout en période de fête qui arrive et tout, de voir des créas de Noël, d'Halloween, enfin, voilà, c'est sympa, quoi. Donc, il n'y a pas de souci, les filles, ne vous inquiétez pas, vous pouvez, comme je vous l'ai écrit par mail, donc n'hésitez pas, voilà, vous êtes les bienvenus dans ma chaîne, en tous les cas, la porte, elle est grande, ouverte, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc pour le coup, bah écoutez, oui, donc je disais, j'ai fait 3 lots et éventuellement, si on est un peu plus nombreuses, donc dans ces cas-là, j'essaierai, bah, pour optimiser vos chances, je ferai entre 4, voilà, 4 lots, voilà, 4 lots, parce que c'est, voilà, vous allez voir ce que je vous ai mis dans les lots. Alors, il y a 4 lots, donc lot 1, lot 2, lot 3 et le 4, voilà, tout simplement. On y va. C'est parti. Allez, je vous montre tout ça. Donc, je vais commencer par le lot numéro 1. Donc, le numéro 1, je vais commencer déjà par les petites bricoles. Et ensuite, je vous montrerai le bijou. Alors, pour le lot numéro 1, je vais mettre donc tout plein de trombones dans la couleur rose poudrée dans sa petite boîte petit chat. Ensuite, un petit taille crayon comme ceci, petit chat aussi, avec sa gomme, je crois, il me semble, je sais plus, il faut que je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ça. Une paire de ciseaux comme ceci, hop, en rose, les couleurs que je pense que tout le monde affectionne, tout comme moi. Hein. Alors, je vais juste vous montrer. Donc là, vous avez la gomme, donc c'est pattes de chat, comme ça. Et là, vous avez donc le taille crayon avec donc le gros et le petit, voilà, trop chou, trop mimi, j'adore. Donc voilà pour ce petit taille crayon qui est trop chou, j'adore, il est trop mignon. Donc voilà, ensuite je vous ai mis donc comment on appelle ça, ceci, voilà, quand je sais plus je dis ceci. Donc c'est un gabarit, voilà, cherchez le mot. Un gabarit, donc un carrosse, tout simplement, voilà, de la marque Doubadou. Voilà, je vous ai mis ça. Et j'ai mis aussi ceci. Donc là, vous avez la gomme qui se coulisse et un taille crayon. Donc là, vous allez me dire, ça fait 2 fois. Mais bon, voilà, j'avais envie de vous l'offrir parce que la couleur était jolie et allait très bien aussi avec ce qui suit. Donc, pour le premier lot, toujours, voici la bête. Voilà. Donc, c'est la Brother Ruban. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous montrais des fois des créations que j'avais faites et tout pour des scrap copinettes pour quand je participais à leur concours.
Voilà, j'envoyais souvent des petits rubans avec leur nom de leur chaîne. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de scrap copinettes qui aimaient beaucoup ce genre de, voilà, de rubans avec leur marque et tout, de chaîne, hein, on va dire ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas leur offrir, voilà, à celles qui veulent participer, bien évidemment, et celles qui sont inscrites, merci encore, hein, je vous remercierai jamais assez, franchement, vous êtes adorables. Et donc, je me suis dit, comme vous êtes adorables et vous me rendez vraiment, enfin, vous me donnez beaucoup de bonheur, je me suis dit, je vais, voilà, proposer ce lot pour le lot numéro 1. Donc, vous voyez, c'est, voilà, je vous montre comme, voilà, avec donc, et là, dedans, vous avez aussi une cassette, hein, de ruban, hein. Donc, voilà. Voilà, donc celui-ci, il est juste superbe. Donc voilà, et d'ailleurs, vous voyez, moi j'ai le même, il est là, voilà. Et pour vous dire, en général, quand j'achète des choses pour moi, bah, j'essaye de prendre toujours des choses qui me plaisent pour vous, pour refaire mes concours. Voilà, parce que si vous me suivez, c'est que vous aimez ce que je fais en haul quand j'achète des choses pour moi, bah, je me dis, bah. S'il regarde, si vous aimez, c'est que bah voilà, ça vous plaît automatiquement. Donc voilà, et je vous bah voilà pour le premier lot. Hein, je pense que c'est pas mal. Non. Donc voilà, ça c'est le premier lot. Dites-moi si ça vous plaît, parce que là pour le coup, ouais, non, je sais que ça va vous plaire, c'est sûr. Si ça me plaît, c'est que ça vous plaît. Donc voilà. Ensuite, pour le deuxième lot, donc numéro 2. Numéro 2, on va commencer par les petites choses. Je vous ai mis tout plein de petits sequins, mais vraiment mini, 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 dans leur fiole, comme ceci. Voilà, avec plusieurs. Je vous l'avance. Ah, attendez, voilà. Tout plein de petites fioles comme ceci, ils sont trop choux. Et là, vous savez, pour faire, je vous ai montré ce que je voulais vous offrir. Vous voyez, là par exemple, ici au bout, vous pouvez passer une ficelle et pour dans une criage, je trouve que c'est pas mal aussi de mettre ce genre de petites fioles comme ça, voilà, dans vos créas. Voilà. Et puis pour envoyer à vos scrap copinettes aussi. Donc voilà. Ensuite, je vous ai mis un set de tampons clear comme ceci sur le thème de Noël, donc des paquets cadeaux et tout ça. Voilà. Et ce set-là, voilà, ça sera donc pour le deuxième set de tampons clear. Voilà. Et avec ça, toujours pour le deuxième lot, cette petite bête comme ceci. Alors, c'est une perfo. Pour faire des napperons. Alors, pour celles qui connaissent pas, j'ai fait une vidéo et je vous avais fait donc le test de cette perfo. Donc, je vous invite à aller voir, voilà, comment fonctionne cette perfo. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième lot. Voilà. Ensuite, hop, 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 le troisième lot, on y arrive. Hop, je vais mettre tout ça ici sur moi. Espérons que ça ne tombe pas. Pour commencer, tag crayon. Voilà, je cherche le mot. Alors, voilà, c'est un tag crayon dont vous pouvez, avec la manivelle, tourner. Et là, vous avez donc, voilà, comme ça se présente comme ça. Là, vous mettez votre crayon, puis vous tournez, et voilà. Donc, ceci. Ouais, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais bon. Donc, voilà pour le tag crayon pour le lot numéro 3. Ensuite, je vous ai mis alors, un pochoir comme ceci avec donc des lettres de l'alphabet, donc de la marque Dutch Doobadoo. Ensuite, je vous ai mis un set de dies comme ça. Voilà, celui-ci. Ensuite,
celui-ci, comme ceci, donc ce qui représente le petit renard, tout ça, hein. Je pense qu'il y en a qui le connaissent, qui l'ont peut-être, mais donc voilà, je vous mets parce que voilà. Ensuite, ce petit carnet comme ceci, voilà, ce carnet qui, avec, ben, je vous ai mis un petit merci, voilà. Alors, c'est en simili-cuir et il se présente comme ceci, voilà, parce que moi aussi je l'ai et voilà, il est trop beau, il est, voilà. Donc, je vous montre pas le devant parce que pour le coup, voilà. Et je vous ai mis aussi avec ce carnet ce marque-page aimanté comme ceci. Voilà, comme ceci. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Puis là, pour le coup, vous le mettez à l'intérieur pour voilà. Voilà. Donc ceci. Ensuite, je vous ai mis un planeur. Voilà. Comme ceci. Donc là, pour le lot numéro 3. Toujours. Hein. Voilà. Avec donc ces stick notes comme ceci. Ça, c'est le lot numéro 3. Je me répète, hein, les filles, mais ouais, les garçons. Hein, mais, ouais. Donc ça, c'est le lot numéro 3 que je n'ai pas terminé, puisque... Désolée. Et je vous ai mis ce set-là, que vous connaissez, ce que j'ai il y a... Il y a, je crois, c'était samedi, je vous avais fait un... Ou dimanche. Oui, dimanche. Dans mon hall Cultura. Donc ce petit set comme ceci, voilà, avec tout plein de d'embellissements et avec donc cette petite fiole comme ceci, avec tout plein donc de perles. Et autour, tout autour, vous avez du fil élastique pour voilà faire passer donc les perles. Donc ça, c'est le lot numéro 3. Voilà. Ensuite, je vais le mettre là. Attendez, non. Sinon, je vais me paumer dans tout ce que... De toute façon, en général, je l'ai posé. Après, je revisionne les vidéos pour voir qu'est-ce que j'avais mis déjà. Mais en général, voilà. Dès que je les mets de côté, je les mets directement dans des cartons comme ça. C'est fait, c'est bouclé. Et il y aura juste voilà, une petite carte à mettre dedans. Si j'ai le temps, mais une toute petite création, voilà. Si je le fais pas tout le temps, mais bon, quand je peux, quand j'ai le temps, je le fais et je mettrai dedans dans vos lots. Voilà. Et donc, pour le lot numéro 4, alors le lot numéro 4, voici ce que j'ai mis à l'intérieur. Un taille-crayon également dans les tons rose et blanc comme, comme celui que je viens de vous montrer. Voilà. Ce pochoir de la marque toujours Dutch Doobadoo. Ensuite, ce set de tampons clear. Donc là, pour le coup, c'est écrit en anglais, mais on connaît, il y a marqué 25 décembre, tout ça. Je trouvais sympa, je me suis dit, bon. Ah ben je voilà, je l'aimais beaucoup. Et après je dis non, ben, et puis il n'y en avait qu'un. Et c'est vrai que il y en aurait eu deux, ben, j'aurais pris un pour moi et un pour vous. Au départ, c'était pour moi. Puis après, je dis non, c'est pas grave. Je vous le mets. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est pour vous. Ensuite, donc du papier calque, comme ceci, sur le thème donc de Noël. Voilà. Voilà. Ensuite, une bobine comme ceci en craft blanc. Voilà, pour rester toujours dans l'esprit de Noël. Donc là, c'est en blanc. Voilà. Et donc, le bloc-notes comme ça, stickers. Le stick, voilà. Et le planeur qui va avec. Donc voilà, que vous pouvez positionner comme ceci sur votre bureau. Et puis après, bah, voilà, on connaît à peu près le principe en général. Ouais. Oui.
Donc voilà mes lots pour mon concours. J'espère que mes lots vous plairont. En tous les cas, ben, dites-le-moi. Moi, je suis juste trop contente de vous faire plaisir. C'est toujours un bonheur de voir que vous me suivez, que vous me laissez juste des commentaires juste adorables. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà, et puis bah écoutez, je sais que là, pour le coup, j'ai reçu du courrier là, et j'ai vu que j'en ai reçu pas mal. Donc voilà, et puis juste avant de commencer l'ouverture de bal, je me suis dit non, il faut que je fasse mes lots avant de commencer mon ouverture. Et surtout, ben, pour celles qui n'ont pas eu ou n'ont pas vu ma vidéo du lancement du concours, je vous invite à aller la revisionner pour savoir ce que j'avais proposé de faire. Donc voilà. Ben, écoutez, j'espère que l'aventure va commencer. Voilà, je sais plus quoi dire. En tous les cas, je suis tellement heureuse de faire ce concours avec vous, vraiment. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Sur ce, ben, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je ne sais pas, peut-être ouverture de bal ou autre chose, on ne sait pas. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Surtout, faites attention à vous.